notre liste des meilleures armes de Battlefield 2042. Bonjour, c'est Max, streamer au Code Quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House, où on déplume tous les jours du Battlefield après les Chicken News. Dans la dernière vidéo, je t'avais tout expliqué pour tout comprendre autour du cross-platform, cross-save ou encore le chat vocal du jeu. N'hésite pas à cliquer juste ici si tu veux aller voir la vidéo. Et aujourd'hui, depuis le dernier patch, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la maniabilité des armes. Et justement, tu peux te sentir un peu perdu par rapport au jeu, tellement il y a de choses à gérer, soit les modes de jeu, les cartes ou encore les armes. Et on va parler de cette dernière catégorie dans cette vidéo avec ma tier list maison. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper nos deux vidéos minimum qui sortent par semaine autour de l'univers Battlefield. Tu l'as sûrement vu au tout début du jeu, il y avait à peu près qu'une seule arme jouable, la PP29. Mais depuis le dernier patch, les développeurs ont amélioré le bloom au niveau des armes qui le rend à peu près toutes jouables. Je t'invite juste à cliquer sur le pop-up si tu veux voir un peu tout ce qui a été corrigé avec le dernier patch, qui est un des premiers majeurs. Et du coup, aujourd'hui, vu le panel de choix qu'il y a au niveau des armes et surtout tous les accessoires et toutes les combinaisons que tu peux réaliser, peut-être que tu te sens perdu. Alors justement, voyons sur quelle arme tu dois partir. Ça va sûrement t'aider sur ton gameplay. Surtout si t'as l'impression de te faire laver en continu et que tu galères à gagner tes 1v1. Dans les meilleures armes, à mes yeux, un peu la catégorie tier S de cette tier list, on retrouve deux fusils d'assaut. La M5A3, ça m'appelle d'ailleurs l'époque de Battlefield 3, je l'ai joué avant même que je comprenne la puissance de la PP29. Et ça tombe bien car elle est disponible justement dès le début du jeu. Elle fait un peu moins de dégâts que celle que je t'ai parlé juste avant, mais par contre elle a d'excellentes statistiques. Et globalement, ça reste une arme très polyvalente. À voir ensuite, suivant ton besoin, de l'adapter au niveau des accessoires. Et celle qui a un peu plus de punch, mais qui reste un peu plus difficile à gérer, et qui est sûrement, si tu arrives à gérer le recul, l'arme la plus puissante du moment, c'est l'AK-24. Un autre fusil d'assaut qui fait des dégâts plus importants que la M5, mais je te le rappelle encore une fois, elle a un recul, surtout sur console, très difficile à gérer. Au niveau des meilleures mitraillettes, il y en a deux qui tirent leur épingle du jeu, mais ne sont pas adaptées à tous les gameplays. La première, la PBX-45, est une mitraillette qui se joue quasiment comme un fusil d'assaut, donc une cadence de tir un peu plus élevée, qui fait peut-être un peu moins de dégâts, mais sur laquelle tu peux challenger des joueurs vraiment à distance. Je pense d'ailleurs que ça va être nerf dans pas longtemps cette histoire. Et là, on retrouve l'AK-30, clairement une espèce de Vector, qui a une cadence de tir incroyable qui permet de mettre littéralement des lasers aux ennemis. Par contre, avec la distance, forcément, la dispersion est énorme. Et concernant les balles, tu peux débloquer un chargeur qui va te permettre vraiment de pouvoir enchaîner les ennemis. Car c'est un mec et t'as pas intérêt de tirer à côté. Et dès que tu vas commencer à toucher 100% tes ennemis, il va falloir quand même le gros chargeur pour les enchaîner. Au niveau des fusils mitrailleurs, dans ces catégories d'armes, je placerai aussi le tout premier fusil mitrailleur, autrement dit une batteuse, la LCMG. Et autant avant le dernier patch, les batteuses étaient quasiment injouables, autant là on a une arme qui est certes lourde, mais qui permet d'être un minimum maniable durant les affrontements à une ligne ennemie, d'être précise, et là on tient un vrai bijou, et c'est juste parfait pour tenir une position. Car tu peux enchaîner les mecs, car elle a une grosse puissance de frappe, en infligeant de lourds dégâts, sans avoir besoin de recharger. Ensuite on passe à des catégories d'armes un peu moins puissantes, qui pourraient être apparentées à mon tier A des armes de Battlefield 2042, et on commence avec le sniper, le DXR1. La seule arme où tu ne verras pas de gameplay pour illustrer dans cette vidéo. Tout simplement, surtout si t'as l'habitude de me suivre, je joue énormément en équipe et surtout en rushant ou alors en attaquant des points ou les défendant. Et du coup, le sniper, ça devient très vite compliqué. Je l'ai testé, il fait extrêmement balle. Une balle, une tête, un mort, mais c'est clairement pas fait pour rush, à moins d'avoir un skill légendaire, qui n'est pas mon cas. Et tu peux aller quand même jusqu'à 800 mètres de distance pour one-shot des ennemis dans la tête. Tu sais pas plus d'ailleurs. Bref, une arme des aficionados de la camp. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Il en faut bien un petit peu sur les maps de Battlefield de toute façon. Et là, on tient un fusil automatique que je me tarde de débloquer, que je me tarde d'améliorer. Et comme fusil auto, c'est le SVK ou le DMR sur Warzone si t'as plus l'habitude. Car on retrouve un peu la physique d'un sniper, sauf qu'il n'y a pas besoin de changer à chaque fois la cartouche dans la chambre de l'arme, parce que tu peux enchaîner plusieurs balles jusqu'à l'épuisement des cartouches dans ton chargeur. Un semi-auto quoi. Et cette arme fait mal. 2 balles, le mec il est couché. Et ce qui est énorme, et ça c'est la puissance de Battlefield, de pouvoir customiser ses accessoires en pleine game, c'est que tu as à la fois un viseur à lunettes pour les mecs qui sont à distance. Si tu rushes avec ta
ta team, tu peux rester un petit peu en retrait pour pouvoir les couvrir et rush avec eux avec la mire. Et je peux te dire que cette arme fait extrêmement mal. Et pour moi, cette liste va s'arrêter là, car je pense que quand on débute Battlefield, le temps de comprendre les maps, le teamplay, les véhicules, améliorer ses armes et débloquer des accessoires, et même si d'autres fusils d'assaut restent très corrects, aujourd'hui la méta s'axe vraiment sur l'AK ou encore la M5 pour cette catégorie d'armes. Et du coup, la PP29 est toujours jouable. Alors oui, ça en fait une très bonne mitraillette, mais malheureusement, comme énormément de fight dans ces cartes ultra ouvertes, et ça, on en a parlé, c'est un gros défaut du jeu, et n'hésite pas à cliquer sur le pop-up pour découvrir mon avis comme quoi il faut attendre avant d'acheter Battlefield, et bien la PP a une dispersion et un recul difficilement maîtrisable, qui en fait une arme vraiment compliquée à jouer sur les modes de jeu actuels de Battlefield. Concernant les pompes, pour cette même raison, des combats à distance ou middle range, tu oublies. Et concernant les pistolets mitrailleurs, là ça dépend clairement de ton style de gameplay, car les trois disponibles actuellement proposent vraiment une manière de jouer complètement différente. Et au final, ce sont des armes très complémentaires pour finir des mecs, notamment. Et si je t'ai pas parlé des accessoires, c'est totalement volontaire, car il y a tellement de quoi dire, car il y a un truc que j'adore dans cette innovation apportée à Battlefield 2042, car oui, il y a quand même des points positifs, c'est le fait de pouvoir changer d'accessoire quand tu veux en game avec le système de plus. Rien que ça, sur la manière de customiser ses armes, il faudrait en faire une vidéo, dis-moi si ça t'intéresse. Et ensuite, pour chaque arme, il faudrait faire une vidéo dédiée pour expliquer en pleine partie de Battlefield, si t'es en combat plus éloigné, de prendre cette catégorie d'accessoires, et c'est typiquement le cas par exemple sur ma M5. Si t'es en combat plus classique, middle range, ce type d'accessoire. Et là, si tu viens full rush pour pénétrer la zone ennemie et percer la zone ennemie avec tes alliés, j'ai encore une troisième catégorie d'accessoires. En tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. À venir de demander des conseils si besoin sur notre chaîne Twitch Chicken House. On est en live tous les jours sur le jeu. Pose-moi un gros like si la vidéo t'a aidé. Et n'hésite pas à t'abonner en attendant la prochaine vidéo. Ciao, ciao.